Salut à tous, c'est Xmavir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online. Donc ça sera une duplication de véhicule après la version 1.07. Donc une duplication assez facile. Donc là, il va me passer sa cheta comme ceci. Il va aller dans le téléphone, internet. Et là il va prendre une propriété. Donc il va choisir une propriété 10 places, vu qu'il a un garage 10 places. Donc n'importe laquelle, donc il y en a à 100 000 des garages, donc voilà. Donc dès que tu es prêt, tu choisis une maison avec 10 places de véhicule. Voilà. Une fois qu'il aura changé de propriété, ça va vous mettre dans le garage, comme ceci. Vous allez sortir. Et là, votre collègue devra sortir du véhicule. Une fois que vous aurez sorti du véhicule, enfin dès qu'il sera sorti du véhicule, vous allez prendre la voiture qui vous aura dupliqué et vous allez l'avancer devant le garage et la reculer comme ceci. Vous allez rentrer dans votre garage à pied. Et vous allez sortir un véhicule. Il faut savoir que le véhicule que vous allez sortir, ça remplacera votre voiture, donc la Cheta. Donc moi je vais prendre l'LG, vu qu'elle est gratuite. Donc vous pouvez dupliquer tous les véhicules et les rentrer tous dans vos garages. Et là vous allez vous rendre compte que la Cheta a disparu. Et vous allez vous demander où c'est qu'elle est partie. Mais elle a atterri dans votre garage en fait. Donc si la manip s'est bien déroulée, vous verrez votre voiture, donc la Cheta qui m'aura dupliqué Xil Daddy Mich, donc merci à toi. Donc elle sera dans mon garage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la Cheta. Donc c'est une duplication qui se passe après la version 1.07. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour encore plus de vidéos. Allez, bye bye.